Salut tout le monde, c'est Eddy, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là ce matin, sur un coup de tête, on s'est décidé avec Arthur, on va à la pêche. Je suis chez mon grand-père, il a un étang pas très loin de chez lui et il a ce qu'il faut pour y aller, donc j'ai juste mis le matériel et je suis parti. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer des petits extraits d'une petite session, d'une matinée que j'ai réalisé il y a deux semaines, trois semaines de ça, juste avant mon enduro que j'ai fait. Donc je me suis décidé de sortir cette petite vidéo d'une matinée, justement pour donner quelques conseils pour comment prendre du poisson avant la frai. Et en tout cas, pour cette petite session, j'aurais cartonné, j'aurais fait 9 départs en 3h30 de pêche, donc c'est quelque chose de super propre. En tout cas, je vais vous montrer comment j'ai mis en place ma stratégie, l'endroit choisi, les appâts choisis, et puis voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne vidéo. Alors déjà, dans un premier temps, lorsque la période de frai arrive, pour moi, je trouve ça essentiel de pêcher des bordures où on va retrouver quelques obstacles, comme des arbres morts, des herbiers, tout endroit où les carpes pourraient se mettre justement pour préparer leur frai. Donc une fois arrivé sur l'étang, une chose que j'aime bien faire, c'est prendre connaissance des spots, donc faire le tour. On est sur un étang d'un hectare et demi, donc ça prend même pas une quinzaine, une vingtaine de minutes à faire le tour. Donc pour moi, je trouve ça essentiel, ça aussi, de faire le tour du plan d'eau pour essayer de trouver les meilleurs postes possibles où les poissons vont forcément préparer leurs frais et s'alimenter pour faire leur stock. Donc après avoir pris connaissance des postes en faisant le tour de l'étang, je me suis décidé d'aller pêcher une petite zone de calme, donc une petite queue d'étang. Donc déjà, une chose pareille que j'ai oublié de dire, le poisson aime bien être dans le calme, donc plus sur une petite zone, donc une queue d'étang, des petites zones comme ça de calme ou de tranquillité. Les poissons aiment bien s'y mettre pour préparer sa fraie. Donc du coup, j'ai choisi cette petite queue d'étang avec pas mal d'herbiers, des petites zones de calme, parce que pour moi, c'est sûr qu'il y a du poisson qui doit faire du stockage de nourriture par là. Donc je me suis dit, de m'installer là-bas, ça pourrait être bien. Par la suite, au niveau amorçage, du coup, je vais être limité au niveau de l'amorçage. Je vais pêcher en sac soluble. Je pense que pour moi, ça sert à rien de spawner déjà dans un premier temps sur des petits étangs comme ça. On va essayer de pêcher proprement, le plus calmement possible. Un petit sac soluble va suffisamment faire l'affaire. Au niveau du nombre de lignes, je me suis décidé d'être discret puisqu'on reste sur un petit étang qui est quand même surpêché. Donc des poissons qui sont pas mal piqués. Donc pour moi, pêcher à deux cannes semble largement suffisant. Oh la vache. Bon bah voilà, à peine 5 minutes que ça pêche, je fais déjà deux touches. Une touche qui décroche avant que je prenne la canne et celle-là que j'ai réussi à mettre au sec. Donc deux touches en 5 minutes de pêche, c'est propre. Yes, super poisson. Voilà, super poisson. Yes. Mmh.
Oh la vache! Oh, je m'y attendais pas à celle-là. Voilà, petit poisson qui fait toujours plaisir. 7e déroule en 3-4 heures de pêche. Donc c'est propre. Yes. Bon bah voilà, encore une fois de plus, les deux cannes, elles sont plus sur le repos, comme tout à l'heure. Malheureusement la première elle a décro. Mais on s'en sort bien. Bon bah voilà. Non mais on a à peine sorti la première carte de l'eau que la deuxième canne déroule. Donc assez content. Deux poissons en 2 minutes. Aucune canne à l'eau. Ça fait plaisir. Yes.